fait. Il est 7h10, voici le conseil télé de Dorothée Barba. Jean-Louis Trintignant est dans votre capture d'écran. Arte rend hommage à l'acteur mort la semaine dernière en diffusant un film de 1973, Le Train. Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, que demander de mieux ? Le Train est l'adaptation d'un roman de Georges Simenon réalisé par Pierre Granier-Defer. Nous sommes plongés dans l'exode de 1940. Jean-Louis Trintignant incarne un homme qui vit dans une petite ville des Ardennes, à la frontière belge. À l'annonce de l'invasion allemande, comme tout le monde ou presque, il s'enfuit. Il se rend à la gare avec sa femme enceinte et leur fille, mais ils ne peuvent pas voyager ensemble. L'épouse et l'enfant montent en première classe. Le mari est relégué tout au bout du train, dans un wagon à bestiaux. Il y a du monde qui s'entasse, assis à même le sol. Et là, il croise le regard d'une femme, sans un mot, Romy Schneider, magnétique et mystérieuse. La musique, cela ne gâche rien, est composée par Philippe Sard, comme celle des films de Claude Sautet. Combien de fois a-t-on filmé une rencontre au cinéma ? À quoi cela tient-il qu'ici, on y croit dur comme fer ? Je ne sais pas, mais ils sont si beaux tous les deux. Ils sont inquiets, évidemment, paralysés par l'angoisse, le contexte de la guerre pèse très lourd. Mais on sent déjà que la complicité n'est pas loin. Ils n'ont encore rien dit et déjà, je fonds. Alors je vous rassure, ils finissent par se parler. Pourquoi tu n'es pas soldat ? C'est pas soldat les taupes. Je suis réformé numéro 2. Numéro 2, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être sûrement moins grave que numéro 1. Quand j'étais petit, ça m'embêtait. Pas d'être myope, mais de porter des lunettes. À l'école, ils m'appelaient le hibou. Avec les filles aussi, c'était difficile. Puis après, on s'y habitue. Enfin, presque. C'est un épisode tragique, pourtant l'ambiance est volontiers festive et souriante. Le réalisateur Pierre Granier-Defer s'est basé sur ses propres souvenirs, lui qui a vécu cet exode. Enfermé dans ce wagon, on chante, on rigole, on joue aux cartes, les barrières sociales s'envolent et on se rapproche. Il est urgent de vivre. Parfois le train fait une pause, alors on peut se rafraîchir à un point d'eau. Tu sais, cette nuit, la grosse Julie, elle nous a vus. Elle m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu as fait ? La même chose, ça. Tu es déjà parti en vacances ? Oui, avant. Moi, jamais. À toi ! Mais... Elle est partie en vacances avant. Le mot « avant », ça m'a frappée, revient souvent dans leurs échanges. Comme si ce voyage vers l'inconnu, ce trajet très angoissant, était un moment hors du temps. J'ai pensé au confinement et à tous ceux qui ont compris quelque chose sur eux à ce moment-là. Évidemment, ce n'était pas la guerre. Mais les contextes extraordinaires ont le pouvoir de nous mettre face à nous-mêmes, de révéler les désirs enfouis. Et ce train, où va-t-il ? Vers l'ouest, La Rochelle, il subit des bombardements, des avaries. Je ne veux surtout pas trop en dire, mais on comprend assez vite que le personnage d'Anna, Romy Schneider, est allemande. L'issue du voyage est incertaine et l'inquiétude est justifiée. Eros et Thanatos se tiennent par la main, le dieu de l'amour et celui de la mort. Ce film est bouleversant et très marquant. Schneider et Trintignant, un immense acteur, une immense actrice. Ceux qui les aiment regarderont Le Train. Ce soir sur Arte à 20h50 et c'est une soirée complète d'hommage puisque le film est suivi d'un documentaire inédit Trintignant par Trintignant de Lucie Carrières et Yves Jelan. Merci Dorothée Barba.